C'est un scandale. C'est honteux. Absolument honteux. Vous détruisez tout. Vous êtes un connard. N'avez-vous donc aucune limite? C'est complètement répugnant. Vous êtes une plaie. Vous êtes le cancer. Et vous êtes la petite vérole. Et vous êtes aussi le prince des connards. Voilà. Non, mais... Non, ça suffit. Je peux vous écouter. Vous êtes un connard. Et moi, les connards, je les écoute pas. Très cher camarade, vous savez que je vous apprécie. Sincèrement, si, si. Malgré tout, vous me fites tantôt l'observation suivante. J'aurais tendance à m'énerver trop souvent. Alors moi, je vous crois bien le plus volontiers du monde, hein, mais ce que je crois, par-dessus tout, c'est que le fait de gueuler, comme vous le faites depuis 10 minutes, serait tout à fait de nature à alimenter cet énervement et pourrait, à terme, me pousser à vous coller une beigne chacun. Je vous laisse voir entre vous, discuter de l'issue de votre conversation, pouvant, je vous le rappelle, impacter fortement sur votre santé physique. Seigneur, qu'est-ce que j'apprends? Je vous le demande, qu'est-ce que j'apprends? C'est une vraie question, je sais pas. Mais soyez sûr que ça m'intéresse drôlement. Eh bien, en espérant que cette nouvelle ne vous laisse pas aussi stoïque que d'habitude... La fonte des pôles, le réchauffement climatique, c'est atroce. Ah, je l'attendais celle-là. J'ai bien peur de vous décevoir, mais c'est vrai que c'est pas encore ça qui va me faire bondir de ma chaise. Bah tiens, encore une fois, laissons couler. Permettons à cette sinistre enflure de Satan de faire ce que bon lui semble. Si, tient tant augmenter la température générale du globe de 15 degrés, quelle importance! Alors déjà, vous allez baisser d'un ton. Et ensuite, quand vous dites 15 degrés, j'espère que vous parlez en Fahrenheit, sinon c'est sûr qu'il y a de quoi se faire des cheveux. Prenez donc ça la rigolade. Vous êtes décidément un père très spirituel. La prochaine fois, il fera sans doute sauter toute la planète d'un claquement de doigts. J'espère que vous trouverez une bonne vanne à sortir pour l'occasion. Au risque de vous décevoir encore, vous apprendrez que cette fois-ci, Satan n'y est pour rien. C'est-à-dire, il y est pour rien? C'est-à-dire que le réchauffement, ce qu'on appelle l'effet de serre, c'est plus de moi que de lui. Ah bah celle-ci, c'est la meilleure. Mais c'est pour ça que vous l'engueuliez tout à l'heure? Ah bah oui, c'est sûr, maintenant je m'en veux un peu. Ah oh non, ça faut pas. Moi aussi, hein, dès que je peux, je lui remets plein la tête. Enfin là, si vous me dites qu'il était pour rien... Non mais laissez ça, je vous dis, c'est pas grave. Bon, et puis on va pas y passer la semaine, alors si ça vous défoule, grillez-moi dessus 5 minutes, et on se dit bisous, bonne journée. Vous pouvez me dire pourquoi vous avez fait ça? L'intérêt de votre effet de serre, là? Vous êtes certain de pas vouloir crier un bon coup, plutôt? Je vous écoute. Oui, bon... voilà, c'est pas ma plus brillante idée. À première vue, je sais bien. Si vous voulez... Comment vous expliquer ça? C'est plus un... un perturbateur. Un perturbateur, ouais. Un perturbateur. On a la Terre, d'accord? En l'état actuel, tout. Cette notion de réchauffement, donc provoquée par l'accumulation de gaz, hein, dioxyde de carbone, bien sûr, mais aussi méthane, hexafluor de soufre, bref. C'est ce qui va... Alors. Au fil des siècles, hein, ça se fait pendant une après-midi, le machin. Venir perturber tout l'écosystème. Détruire, bien sûr, mais aussi créer, forcément. D'ailleurs, regardez tout ce qui s'est passé depuis le début, depuis l'ère glaciaire, et même avant. On en a perdu en route, hein, je dis pas, des espèces ont disparu, etc. Enfin, admettez qu'on en a vu apparaître un certain nombre aussi. Tout ça est prévu. Je veux dire, tout ce qui se crée, tout ce qu'on fait ici, est amené à être détruit. Non. Tout est amené à évoluer. Alors oui, on perd quelques ours polaires. Enfin, peut-être qu'on gagnera de nouvelles espèces. Genre ours des sables, ou des rapatacouettes. Des quoi? Non, je sais pas. Finalement, c'est vrai que... En fait, on s'habitue à l'état dans lequel c'est en ce moment. Et on oublie qu'avant, ben... C'était pas comme ça, quoi. Loin de là. Mais alors, si vous avez pour projet de tout faire disparaître au fur et à mesure, pourquoi vous avez besoin de Satan? La seule différence, c'est que lui, il fait disparaître les trucs instantanément. Ben, déjà, oui. J'ai besoin de lui... L'une des raisons pour lesquelles j'ai besoin de lui, en tout cas, c'est qu'il vient instaurer une sorte de variable aléatoire, vous voyez. Lui aussi, à sa façon, il perturbe le tout. Ça va finir par être bien perturbé. Mais si vous réfléchissez bien, c'est ça qui est intéressant. C'est presque ce pour quoi on bosse, nous. Vous voyez ce que c'est, un algorithme? Franchement, je suis pas hyper balèze en variété de dauphin. De tout, ça fait rien. Pour faire
Très simple, un algorithme, c'est un schéma. Ah, ça par contre, en ce qui concerne les fleurs des champs, je suis plutôt... La ferme. Un algorithme, c'est un processus. Au début de ce processus, on entre des données qui vont être amenées à être perturbées par des événements aléatoires. J'essaye de faire simple. C'est pas facile. La Terre, quand on l'a créée, j'ai inscrit ces données. C'était les données de base. Et au fil des siècles, alors au cours de 4 milliards d'années et quelques quand même, ces données ont été perturbées par nous. Et on en est là. Si j'ai bien saisi, depuis le début, vous ne créez plus, vous laissez ces données suivre leur route au fil des perturbations que vous organisez, sans jamais vraiment savoir à l'avance ce qui va en sortir. C'est pas ça ? Si, c'est... si. Purée, vous avez compris. Ben, je crois bien, ouais. Bah vous voyez, de toutes les données et de toutes les variables aléatoires que j'ai vues depuis l'aube des temps, c'est le fait que vous compreniez quelque chose d'aussi compliqué du premier coup qui m'étonne le plus. La 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 la